بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم شيخ خير Louange à Allah, Rabbul Izza, Jalla Shanu Rabbul Alamin, qui nous a donné le tawfiq de nous réunir en ce jour béni, qui est le jour de Jum'a. Et pendant cette période bénie, que sont les 10 jours de Zulhijja, et pour accomplir également une action bénie à travers la salat de Jum'a. Mes frères, c'est avec une grande tristesse, une certaine émotion, et un pincement au cœur que nous constatons que ces 10 jours de Zulhijja touchent à leur terme. Ces 10 jours de Zulhijja par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala prête serment, jure dans le Coran à travers la sourate Al-Fajr, Wal-Fajr, Wal-Layalin Ashr, par l'aube et par les 10 nuits, et à propos desquels la plupart, pour ne pas dire l'unanimité des mufassirines, comme Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, Hafiz ibn Hajar rahmatullahi alayhi, nous disent que ces 10 nuits-là correspondent aux 10 nuits de Zulhijja. Et à propos desquelles également, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, qui dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de jour meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que ces 10 jours de Zulhijja. Et il n'y a pas d'actions qui y sont accomplies et qui sont plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala que dans ces 10 jours-là. Donc les actions qui sont accomplies dans ces 10 jours sont très aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Ces jours sont considérés comme parmi les meilleurs jours de l'année, au point que certains ulamas nous disent que ces jours-là sont même meilleurs que la dernière des 4 mois de Ramadan, exception faite des nuits de Ramadan. Maintenant, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens d'un hadith, « Innama l'a'malu bil khawatim » pour les retardataires, pour ceux qui n'auront pas eu la chance de pouvoir pratiquer certaines actions spécifiques à ces 10 jours, il y a toujours moyen de se rattraper. Que les actions, on considère le terme des actions, on considère l'arrivée. On ne regarde pas le début uniquement, mais ce qui compte, c'est la fin. Comment cela va se terminer pour nous? Et on va s'intéresser rapidement à quelques actions qui sont spécifiques à ces 10 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 7e Zulhijja à La Réunion. Donc il nous reste 8, 9, 10. Samedi, dimanche, lundi. Première action, premier groupe d'action que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a encouragé d'accomplir pendant ces 10 jours, c'est le jeûne. Jeûner de façon générale. Pourquoi? Parce que dans le sens d'un hadith, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Ya'dilu suyamu kulli yawmi minha bi suyami sana. Que un jour de jeûne que vous garderez pendant les 10 premiers jours de Zulhijja, exception faite du 10e parce que c'est le jour de Qurbani, Yawmun Nahr, où il est interdit de jeûner, pour chaque jour que vous jeûnerez, vous aurez la récompense d'une année de jeûne. Un jour, un an. Donc ça, c'est un hadith rapporté dans Tirmidhi et dans Ibn Majah. Un jour, un jeûne, on peut encore, si on n'a pas fait, demain on peut faire. Inch'Allah, samedi, qu'Allah Ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre vraiment la valeur de ces moments qui sont bénis. Et plus particulièrement encore, le jour du 9e. Zulhijja, que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de jeûner.
Dans le hadith de Muslim Sharif, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Que le jour de jeûne du 9e Zulhijja, c'est-à-dire dimanche pour nous, j'ai espoir en Allah subhanahu wa ta'ala qu'il expie les péchés de l'année passée et de l'année à venir. Deux ans de péchés pardonnés. Dimanche. Ça, ce sont les actions, première action spécifique aux 10 premiers jours de Zulhijja, le jeûne de façon générale, une année, un an de jeûne de récompense de jeûne, ou le 9e Zulhijja, c'est-à-dire dimanche pour nous, les péchés de l'année passée pardonnés et de l'année à venir qui seront, incha'Allah, pardonnés les petits péchés. Deuxième groupe d'actions spécifique à ces 10 jours qui existent toute l'année, mais dont les récompenses sont encore plus augmentées pendant ces 10 jours, le Qiyam al-Layl. Qiyam al-Layl, namaz tahajjud. Dans le hadith de Tirmizi et d'Ibn Majah, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que passer une des 10 premières nuits de Zulhijja en Qiyam al-Layl, en ibadat, en namaz tahajjud, équivaut à la récompense d'avoir passé la nuit de Laylatul Qadr, la nuit d'Al-Qadr, en ibadat, en acte d'adoration. Subhanallah, comment dans le mois de Ramadan, dans la dernière décade, tout le monde recherche ces nuits-là, cette nuit de Laylatul Qadr, les nuits impaires, comment on recherche? Là, on vous dit que chaque nuit que vous passez, pas besoin de chercher. Chaque nuit que vous passerez en ibadat, incha'Allah, vous aurez l'équivalent de la récompense de la nuit de Laylatul Qadr. Ce ne sont pas des choses qui sont négligeables. Et on peut encore le faire ce soir, demain soir, après-demain. Donc vraiment, essayez, incha'Allah, de mettre cela en pratique. De plus, une spécificité, encore une particularité, dans la particularité, une mise en abîme, la nuit de Eid, c'est-à-dire dimanche soir, la nuit qui précède Eid, lundi pour nous. Donc dimanche soir, Abu Umama radiallahu ta'ala anhu nous dit que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne qui passe les 2 nuits de Eid, celle de Eid al-Fitr, pour après Ramadan, qui clôture Ramadan, et celle de Eid al-Adha, celle qui va précéder Bakr Eid, la personne qui passe la nuit des 2 Eid en ayant espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il la passe en état d'adoration, c'est-à-dire dans la salat, etc. Incha'Allah, lam yamut kalbuhu yawma tamutul kulub, son cœur ne mourra pas le jour où les cœurs mourront. Son cœur ne mourra pas le jour où les cœurs mourront. Et les muhaddisis nous expliquent que ceci, c'est pour nous montrer que, incha'Allah, ces gens qui auront passé ces nuits en ibadat là, le jour du Qiyama, ils n'auront aucune crainte. La khawfun alayhim wa lahum yahsanun, ils n'auront pas de crainte le jour du Qiyama, où la splendeur, la magnificence d'Allah, la colère d'Allah, le jalal d'Allah subhanahu wa ta'ala va se manifester, où tout le monde aura peur. Ces gens-là, ils seront dans le itminan, dans la tranquillité, dans le sukoun et dans le réconfort. Or, où est-ce que nous nous trouvons en ce moment en soirée? C'est pas interdit d'aller regarder des barquements bœufs. C'est pas interdit non plus d'aller avec le niyat, d'observer les animaux, de voir les animaux qui sont destinés donc au sacrifice. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de perdre notre temps si on ne fait que cela? 10h30, minuit, 1h du matin, on voit nos jeunes qui sont en train de tourner, si ce n'est pas nous-mêmes parfois. On est en train de passer à côté de quelque chose là. La veille de Eid, tout le monde les donne gâteaux, préparations, etc. Que ce soit Eid al-Fitr, Ramadan, ou bien Eid al-Adha. On est tous là dans l'effervescence.
Mais est-ce qu'on ne peut pas réserver une partie de cette nuit-là? Regardez les vertus qu'il y a à passer ces nuits en ibadat. Donc ça qu'Allah nous donne le tawfiq, vraiment, le jeûne et le qiyamul layl, passer la nuit dans la salat de tahajjud. Une troisième action, et deuxième, j'ai oublié de vous donner la deuxième explication du hadith, que, inshallah, le cœur de ces personnes ne mourra pas le jour où les cœurs mourront. La première, c'était que cette personne, le jour du Qiyamah, elle sera en toute tranquillité. Et la deuxième explication, selon certains muhaddisin, c'est une figure pour nous montrer que, inshallah, cette personne n'aura pas une mauvaise mort. Cette personne-là n'aura pas une mauvaise mort. Que son cœur ne sera pas mort par l'attachement qu'il y a dans ce dunya-là. Dans ce dunya, notre cœur est attaché à ce bas monde, au matériel. On veut obtenir du matériel, du pouvoir, de l'argent, de l'honneur. Mais inshallah, les gens qui passeront ces deux nuits de Eid en ibadah, le cœur ne mourra pas, ça veut dire qu'ils n'auront pas une mauvaise mort. Une autre action, troisième action spécifique à ces jours-là, c'est le takbir. Le takbir, il y a deux types de takbir. Il y a ce qu'on appelle le dhikr mutlaq et le dhikr khas. C'est-à-dire, le takbir, tout le monde connaît le takbir tashrik, mais là on parle d'abord de ce qui est mutlaq, de façon générale. C'est-à-dire, le takbir, le tahlil, takbir Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, toute forme de dhikr pendant les 10 jours de Zulhijjah est recommandée à travers les hadiths du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri fa innaha ayyamu at-tahlili wat-takbiri wa dhikrillahi. Augmentez dans les 10 jours de Zulhijjah le tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, car ce sont les jours qui sont dans lesquels il faut augmenter, lire le tahlil, le takbir et le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est pas spécifique à certains moments, comme on verra dans le petit B. Là, on parle de dhikr général. Depuis le premier Zulhijjah jusqu'au dixième Zulhijjah, à chaque instant, à chaque moment, n'importe quand, je me dois de lire le takbir. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma rapporte que Abu Huraira radiallahu anhu et Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma sortaient avec d'habitude d'aller dans les souks, dans les marchés pendant les 10 premiers jours de Zulhijjah en prononçant le takbir. Pendant les 10 premiers jours, pas certains jours, c'est pas le takbir et tashriq là. Et ils disaient le takbir et les gens répétaient le takbir après eux. Ça, c'est Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, qui le mentionne donc dans son livre. Le deuxième type de takbir, par contre, et qui est spécifique, c'est ce qu'on appelle le takbir et tashriq. Takbir et tashriq, c'est-à-dire, après chaque salat obligatoire pour l'homme et la femme, il est wajib obligatoire pour les hanafis de lire le takbir à haute voix pour l'homme, à voix basse pour la femme, depuis le 9e Zulhijjah, après Namaz Fajr, c'est-à-dire depuis dimanche, ce dimanche, Inch'Allah, après Namaz Fajr, jusqu'au 13e Zulhijjah, jusqu'à Namaz Asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallahu wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Donc troisième action qu'on a vue, là, c'est le takbir. Un takbir qui est spécifique à partir du 9e Zulhijjah jusqu'au 13e qu'on appelle le takbir et tashriq, mais un takbir qui est beaucoup plus général, qui concerne les 10 premiers jours de Zulhijjah, Allahu Akbar, et pas uniquement Allahu Akbar, toute forme de dhikr, la ilaha illallah, tout cela est extrêmement recommandé. Quatrième action après le jeûne, le qiyamul layl, le tahajjud, le takbir, le dhikr, le tahlil, qui est très importante, c'est le udhiyya, c'est le qurbani. Le qurbani, c'est une action qui est très importante
dans ces jours de Zulhijja, son moment, il commence à partir du 10e Zulhijja après la salat de Eid, c'est-à-dire lundi matin pour nous, Inch'Allah, et s'achève au 12e Zulhijja jusqu'à Maghrib, Ghuroub ou Shams, lundi, mardi, mercredi, les trois jours de Eid pour nous. Qurbani Udhiyya, c'est wajib obligatoire pour les Hanafis et fortement recommandé dans les autres mazhab, dans les autres écoles juridiques. Et c'est une action qui est très importante sur laquelle le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis l'exergue. Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a passé 10 années à Al-Madinatul Munawwara et il a toujours accompli le sacrifice rituel. Il a toujours accompli le sacrifice rituel, un hadith de Tirmizi Sharif. Très important, tellement important que la sincérité, la perfection de la foi d'une personne qui a les moyens et qui n'accomplit pas le Qurbani est même remise en cause par le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à travers ce hadith de, rapporté par Ibn Majah de Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, dans lequel il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne qui est aisée, qui en a les moyens et qui n'accomplit pas le sacrifice, alors que cette dernière n'approche même pas de notre musalla, de notre idga, qu'elle ne vienne pas faire la salat de Eid avec nous. Cette personne, elle n'a rien à faire avec nous. La personne qui a les moyens, qui a la capacité financière d'accomplir le qurbani, le udhiyya, et qui ne le fait pas, alors que cette personne ne vienne même pas prier la salat de Eid avec nous. Donc ça, c'est quelque chose de très important, sur lequel il faut une action qu'on perpétue, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les musulmans et jusqu'à nos jours ont toujours accompli et que nous devons de transmettre aux futures générations. Et pourquoi c'est si important? Parce qu'il y a énormément de vertus à cela. Les sahaba radiyallahu ta'ala anhum ont demandé au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah, qu'est-ce que c'est que ces adahi, ces animaux qu'on sacrifie? Il a répondu que c'est la sunna de votre père Ibrahim alayhi salatu wassalam. C'est la tradition de votre père Ibrahim alayhi salatu wassalam. Les sahaba ont demandé, fama lana fiha ya Rasulallah, qu'est-ce qu'on a à y gagner ya Rasulallah? Qala bi kulli sha'ratin hasana. Pour chaque poil de l'animal qui sera sacrifié, vous aurez une récompense. Imaginez-vous combien de poils il y a sur un animal. Les sahaba continuent, ô prophète d'Allah, fassouf, qu'en est-il de la laine? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, pour chaque fibre de laine, vous aurez également une récompense. Combien de milliers, de millions peut-être de poils il y a sur une bête? C'est quelque chose donc, un acte qui est très apprécié par Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement apprécié par Allah subhanahu wa ta'ala que Aïcha radiyallahu ta'ala anha nous dit que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas une action que le fils d'Adam accomplit yawm al-nahr, c'est-à-dire le 10e Zulhijja, le jour de Qurbani, qui ne soit plus apprécié par Allah subhanahu wa ta'ala que le sacrifice. Et ces bêtes qui seront sacrifiées viendront le jour du Qiyama avec leurs cornes, leurs sabots, avec leur peau, leurs poils, et ils viendront en faveur de la personne qui les aura sacrifiées. Et que, avant même que le sang de l'animal sacrifié ne touche le sol, alors ce dernier a déjà atteint un degré, un statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala d'acceptation. Le Qurbani est déjà accepté, la récompense est déjà donnée avant même que le sang ne touche le sol. Donc, nous avons vu aujourd'hui qu'il y a plusieurs types d'actions qui sont spécifiques à ces jours bénis de Zulhijja à travers le saum, c'est-à-dire le jeûne de façon générale ou particulière en ce qui concerne le 9e Zulhijja. Deuxièmement, le qiyamul layl, de faire, d'augmenter nos tahajjud, leur valeur, et encore plus spécifiquement encore la nuit de Eid. Troisièmement, le takbir, le tahlil, le dhikr, Allahu Akbar, la ilaha illallah, de façon générale,
et plus particulièrement encore pendant les jours de Tashrik. Et nous avons vu également, quatrièmement, le Udhiya, l'importance du Qurbani, qu'il faut faire le Qurbani. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre et de mettre en pratique et de profiter de ces derniers moments de Zulhijja. Juste avant de terminer, on demande de faire un petit rappel concernant le Qurbani. On aura de cesse de répéter que l'hygiène, la discrétion, tout ce qu'il faut vraiment de faire cela dans les normes, dans les règles, que le Qurbani, ce n'est pas un acte barbare, donc respectez les animaux, respectez vos voisins, respectez les règles qui sont données par nos frères du VEM, la préfecture, les services donc sanitaires, afin que, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous puissions perpétuer ce Qurbani pour nos générations futures. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir accomplir encore à La Réunion le Qurbani. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Ici, c'est une tolérance. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la conscience de nous responsabiliser par rapport à cet événement. Que nous soyons dans la discrétion, dans le respect des règles et dans l'hygiène également. Un dernier point concernant le Eidgah. En ce moment, à Champfleury, il y a des travaux. Donc, il y aura des places de parking spécifiques qui seront affichées ou qui sont peut-être déjà affichées sur les tableaux de masjid. On nous demande de ne pas nous garer donc sur les trottoirs parce que cela va gêner les travaux. Arrivons un peu en avance, suivons les consignes, respectons les consignes, c'est très important. Soyons un exemple pour les autres afin que nous soyons bien vus et que cela joue en notre faveur. جزاكم الله خير وما توفيقي إلا بالله أقول لسنة الجمعة